vraiment une sale tronche. C'est toi qui as une sale tronche, ouais. Alors voilà, petit rappel, bienvenue dans la deuxième partie de Tu peux pas test consacrée à Brutal Legend. Donc la première partie toujours dispo sur ce petit lien qui est juste là. Là, attention. Là, hop, il est ici. Voilà, donc le petit lien vous amènera à la première partie si vous ne l'avez pas vu, qui était consacrée donc plus à la présentation du jeu. Et donc là, on va s'intéresser à une bataille dans le jeu Brutal Legend, n'est-ce pas? N'est-il pas vrai? Oui, oui, avant tout, on va parler donc du garage et donc voilà. Des guests un peu du jeu. Donc là, on peut apercevoir Ozzy Osbourne. Voilà, très bien modélisé. Donc qui nous aide à équiper. C'est important le style. Donc voilà, ici on va pouvoir soit modifier sa voiture, soit ou modifier sa hache ou ses attaques. Ses armes, voilà. Voilà, c'est le custom en fait. On est dans le custom. Attends, je dois faire quoi pour avoir un tribut de feu? Mets-toi les dieux du métal à la bonne. Elle doit trouver comment? Bon, ok, j'en viendrai. Noyé sous l'amour des dieux du métal. On vous l'a dit, c'est très très épique. Ouais. Donc voilà, et donc petit clin d'œil, on voulait vous montrer Ozzy Osbourne avant de commencer. Et tout de suite, la bataille. C'est tout. Nous venons de subir un lourd échec durant la pause. Alors nous sommes durant une bataille de Brutal Legend, toujours, hein, parce qu'on ne pourrait pas changer de jeu entre deux sans être débile. Ah oui, c'est clair. Donc nous sommes durant une bataille, donc vous allez voir un peu comment ça se déroule. Donc voilà, je lance la bataille. Et donc tout simplement, nous avons des tours de fans, comme vous pouvez le voir ici, qui ne sont pas encore construites. Ces tours de fans vont nous permettre d'alimenter notre scène qui est ici. Voilà, il y en a une qui vient de se faire. Et donc voilà, donc nous avons tirant... Là nous avons nos différents personnages, donc là c'est pour renforcer la scène. Là nous avons les headbangers, les déserteuses, les chopper boys, les barons de feu, les perce-crânes, les videurs, les roadies, monstres de métal, les guitares armageddon, ce qui est l'arme ultime pour les détruire. L'arme ultime des métalleux. Voilà, donc je vous ai pas dit toutes les fonctions des personnages. Donc tout simplement là on va construire d'abord des tours de fans avant que nos ennemis attaquent, parce qu'ils attaquent déjà. Ça va très vite, les ennemis sont là et donc la scène est en face, il faut détruire les deux tours et la scène. Donc la scène c'est la scène. Les ennemis là sont des émaux. Donc une bataille peut être très longue et c'est un peu point positif du jeu, c'est que ça peut être très long à mettre en place. Et donc des fois vous avez vu, je survole la bataille en donnant des ordres à mes ennemis. Et donc de temps en temps je peux revenir sur terre et filer un coup de main à mes soldats. Donc là, dans les batailles, ce n'est plus le côté beat 'em all du jeu, mais le côté vraiment stratégique. Ouais, voilà. Donc là, vous avez vu, je viens d'invoquer plusieurs personnages. Je me sers donc de mes fans pour les invoquer. Donc moi, on a de fans, moi, c'est bon, quoi. Moi, c'est cool. Comme là, j'ai donné l'ordre de les buter. Alors là, je peux construire une tour de fans en faisant les combos dont on vous a parlé dans la première partie, où Eddie Riggs fait des solos de guitare. Ta première tour à attaquer. Donc j'ai évité de trop parler, je vais laisser mon ami Denis parler. Parce que c'est bah, délicat. Parler, on va plutôt se la jouer commentaire sportif. Donc je vais commenter ce que. Ce que fait Denis. Donc là, il y a un geyser de fans qui est vide. Donc on va invoquer une tour pour gagner encore plus de fans, pour pouvoir les dépenser en armes et en défense, donc avec les headbangers, les déserteuses et les chopper boys dans un premier temps. Donc sur le côté on peut voir les icônes donc des headbangers ici de la tour de fan et là d'une tour de fan. Quand c'est rouge, ça veut dire que c'est en train d'être attaqué. Alors au début, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'ennemis, on peut se permettre de descendre et de leur filer un coup de main. Après, ça devient de plus en plus compliqué. Et donc aussi, vous pouvez faire des alliances avec vos personnages. Donc là, comme là, le pogo. Toujours dans l'univers métal, hein, quoi, ça. Donc la première phase, ça va être surtout de construire toutes les tours de fans et de les protéger un maximum. Et après, on va essayer d'avancer et d'aller détruire. Je vais vous faire voir. T'as une tour qui a été tuée, les deux tours là-bas. Tu crois? Bah, non. Non.
Donc ensuite, ouais, faut se la jouer stratégie. C'est libre à vous de créer votre stratégie, de savoir comment vous voulez les détruire. Bon, je vous avoue qu'il n'y a pas 50 stratégies. Hein. Non. Faut trouver la bonne, en fait. Faut trouver la bonne. Pour vous dire, tout à l'heure, on était vraiment sur la fin, on avait réussi à détruire les deux tours là. On est arrivé près de la Seine et là, il y a une masse d'ennemis qui est arrivée. Ah, parce que elle avait préparé la... son armée de l'autre côté de la Seine. Ouais, voilà. Donc ensuite, il y a ça, ce qui est pratique, parce que une fois que vos personnages sont créés, ils se mettent au bord de la Seine et ils attendent vos ordres. Donc vous pouvez faire ceci qui est très utile. Créer un drapeau où ils se rejoindront une fois créés. Donc là, je vais le mettre au milieu pour l'instant. Pour moi, parce que si vous êtes trop loin de vos ennemis, ils ne répondent pas aux ordres. C'est un peu le point négatif, je trouve ça un peu dommage. Ça aurait été bien une vue encore plus d'ensemble où on peut vraiment bien gérer la bataille. Alors je sais pas si c'est voulu, si c'est pour garder le côté réaliste. Je sais pas. Donc une bande son de psychopathe pendant les batailles. Où la double pédale prédomine, on va dire. Tout simplement, ouais. Donc là, comme là, je sais pas pourquoi ils vont pas au drapeau. Ah, ce qu'ils ont été créés avant, en fait. Ah, voilà. L'ordre a été mis en place. Je vais pouvoir créer un nouveau geyser, enfin un nouveau stand de fan. Stand de goodies. Voilà. Donc là, on voit que l'armée commence à revenir. Alors les pires ennemis restent ceux-là qui sont présents dans tout le jeu. Les mariés. Voilà, je préfère les détruire moi-même. Il y a un endroit où c'est attaqué, c'est bizarre. Ah, c'est peut-être... Non, c'est ton... C'est tes bangers qui sont attaqués. Donc, faut invoquer régulièrement ses alliés. Alors, bien sûr, après, quand vous gérez bien votre équipe, faut leur faire confiance et se dire qu'ils vont bien faire leur boulot, quoi. Mais de temps en temps, vous n'hésitez pas, faut pas hésiter à aller leur donner un coup de main, quoi. Parce que vous aussi, vous avez des pouvoirs, comme là, vous avez certains combos qui peuvent les attaquer et infliger plus de dégâts rapidement. Donc j'attends que ce geyser là, alors là, vous avez vu, le geyser il est rouge, veut dire qu'il n'est pas utilisable pour l'instant. Car il y a des ennemis autour. Voilà. Donc une fois qu'il va devenir blanc, là, on pourra l'équiper pour les métalleux. Moi je vous propose, mon cher Denis, si je vois que je suis bien parti, bah de faire les fous et de faire genre à tu peux pas tester partie 3 où on tente de finir de la bataille. Voilà. Moi je pense que ça peut être une idée. Là on a 6.44. Donc on va voir déjà où on est, jusqu'où on va. Et si on voit que je suis bien parti, ça pourra sentir bon une deuxième... Une troisième partie. Pour voir la conclusion de... Donc là, toutes mes tours de fans sont construites. En sachant que Denis n'arrive pas jusque-là. Non, mais moi, je suis bloqué. Hein. Tu peux peut-être déplacer le drapeau pour mettre à la base du pont. Voilà, on va mettre le drapeau ici. Au moins, dès que je vais construire... dès que je vais créer des soldats, ils viendront directement se rejoindre ici. Voici le drapeau officiel des métalleux. Et voilà. Vous devez le chercher à chaque fois que vous entrez sur le champ de bataille. Et je suis bête, à chaque fois je l'invoque, mais on peut l'enlever et aller le mettre plus loin. Le déplacer, hein. Je m'en rappelais plus. Bon alors, toutes mes tours sont faites. Alors des fois, c'est bon de s'arrêter et de se dire, que va-t-on faire? Donc là, on voit qu'il y a tous les ennemis qui attendent là à l'entrée. J'ai assez de fans pour créer le Guitar Armageddon qui est l'arme ultime. Donc on va envoyer attaquer tous mes soldats. On va mettre en création un Guitar Armageddon qui demande beaucoup de fans. 450, c'est ça? 450 fans, en sachant que... Les fans montent pas vite. Hein. Quand toutes vos tours sont créées... Reste là. Donc les fans ici qui montent, donc c'est-à-dire le nombre d'unités qu'on peut dépenser. Voilà. Donc là, je les ai envoyés à l'attaque. Et là, ici, en haut à droite, il y a l'avancement de la création du Guitar Armageddon. Voilà, donc il est bien terminé. Hop, terminé. Je vais pouvoir aller le chercher. Car après, ça, c'est à moi de le diriger moi-même pour faire l'attaque ultime. Il peut attaquer tout seul, mais il envoie des missiles, mais c'est pas très utile. Car
Le mieux, c'est d'utiliser l'assaut du Blood Edge. Du Blood Edge, et vous allez voir, c'est ce qui fait le plus de dégâts et c'est ce qu'il faut se servir. Une fois qu'on a assez de fans, il faut tout le temps créer un Guitar Armageddon. Donc pour ceux qui connaissent, Blood Edge, c'est le village d'origine dans lequel est recueilli Eddie Rigg. Donc voilà, ça c'est l'attaque du Blood Edge. Donc là j'en ai mis un tout de suite parce qu'il y avait des chevaux qui venaient avec des ennemis dessus et c'est vraiment atroce ces trucs là, ils sont vraiment relous. Donc c'était mieux que je m'en sers maintenant. Et le mieux c'est de détruire les sortes de grosses montgolfières là, qui survolaient le bord de mer. Ils n'avaient ni père ni mère, c'est normal pour des montgolfières. N'essayez pas de comprendre. Comme là je suis un peu dans le caca. Parce que je me fais attaquer de partout, mais tant que le Blade Edge, voilà, ça c'est fait. Ils l'ont défoncé. Tant que l'attaque du Blade Edge n'est pas terminée, je peux plus bouger. Et ça c'est vraiment con. Donc que dire de plus pour l'instant sur ce jeu? Ça va être surtout alimenté donc des batailles, hein, vous l'aurez compris. Et ça fait son succès, hein, je pense. Hein. Ça marche plutôt bien. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux me montrer, tu peux me dire? 9,46. D'accord. Non, bah je pense que là, de toute façon, je suis un peu mal barré, parce que j'ai l'impression qu'il commence à revenir. Donc ça sert à rien de faire une troisième partie. Que dire de plus? C'est un jeu, quand même, où il faut rester vraiment concentré. Surtout pendant les batailles. Voilà. Après, ça reste un jeu super marrant, avec un univers vraiment énorme. Il est trouvable à très bon prix. Hein. Comme d'hab, hein, on fait notre petite... Bien sûr. Démarche de vente. Ouais, étant donné qu'il est sorti donc le 16 octobre 2009 en France, voilà. Il est trouvable d'occasion. Bon, il n'a pas bénéficié du Platinum PlayStation. Pas encore, non. Mais il est trouvable à un bon prix en occasion. Il faut savoir que le jeu en lui-même n'a pas fait un grand succès non plus. Il est très ciblé. Il a été apprécié par les fans, tout ça. Très bien réalisé. Il a été salué par la critique. Mais après, c'est vrai qu'il... Il n'était pas fait pour le public, pour un public large. Ouais, voilà, en fait, ça a été très... ça reste quand même très fermé, si on n'aime pas le métal, déjà, on s'éclate. Moi, à jouer, quoi. Mais on peut s'éclater. Nous, on s'éclate parce qu'on est des purs fans du genre. Donc voilà, c'est tout. Donc, ce qui manque dans... Bah, il manque un aspect du jeu dans la démo, c'est l'aspect, entre guillemets, campagne. Ouais. Où on se balade et où il y a des petites missions secondaires. Donc faire la course contre un autre mec avec une voiture, défendre une petite zone, des trucs bien, bien sympatoches. Voilà. Même livrer des fûts de bière. Oui, c'est vrai, il y a plein de petites missions comme ça secondaires qui sont super marrantes. Mais voilà, c'est un jeu qui vaut le coup parce que c'est marrant, c'est super bien foutu, il y a une vraie histoire. Ils disent que, ouais, en fait, il y a une version aussi censurée que vous pouvez choisir au début, vous enlevez tous les gros mots. Ouais. Et donc, il peut être ciblé aussi pour les plus jeunes, parce que ça reste quand même marrant et bien divertissant. Donc voilà, Brutal Legend, un jeu qui est bien.